Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. La Ligue des Champions, elle est là. Le retour de Younes et Yacine en match réel. Vous avez été je sais pas combien nous le demander. Dès à présent, si vous voulez que cette série dure dans le temps et qu'on en fasse de plus en plus, lâche un like. Il faut un maximum de likes et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe, You? Là, on a repris le foot depuis quelques temps. Et il y a un match qui se prépare, un petit match amical pour préparer la saison. Et du coup, là, on se barre à l'entraînement. Vous allez suivre toute la semaine avec nous. Et à la fin de la semaine, normalement, il y aura le match. Et puis ça va être carré. Hein. Là, 20h30, séance, on est en retard. On est en retard, frère. Avec Younes, on est en retard. Ah, c'est normal, c'est l'heure de la prière. Faut prier. Quand c'est l'heure de la prière, il faut faire la prière. Après, tu vas au foot. Là, ils sont tous là-bas. Younes, on est en retard de ouf. On est en retard de zinzin. On va accélérer, les gars. Il y a Sofiane qui nous a rejoint. Il y a Issa aussi. C'est comment aujourd'hui? Il y a entraînement. Vous sentez comment? Bien, bien. Vas-y. J'espère juste qu'ils sont venus, c'est pas physique. Parce que si c'est physique, ça va être la psychiatrie. Et là, on est sur la prépa physique. Encore, ils vont serrer. Regarde, il y a qui encore? Oh, et lui, il me poulait. Lui, il devait filmer, les gars. Lui, il devait filmer. Il était blessé. Il me dit, je vais m'entraîner. Du coup, on va devoir mettre le trépied. C'est comment, Azad? C'est Selem. Ouais. Ça va ou quoi? Merci, Yacine. Merci, Younes. Allez, allez, on se fait mal. Allez, on serre les dents. Allez, 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 allez. Allez, tu vois là. Merci. Yacine, merci. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On expose sur l'accélération. Merci. Pourquoi tu m'appelles? J'ai pas le droit de souffler. T'es KO? Oui. Ok. Mais tu sens comment là du coup depuis le début? Bah moi j'entends que l'entraînement il commence. Pourquoi wesh? Bah je sais pas, on court. Les trois, les pompes là, s'il vous plaît. Les pompes, Sofiane, les pompes, s'il te plaît. Sans comment? Moi, personnellement, physiquement, ouais. Dégueulasse. Ah ouais? Ah non, personnellement, dégueulasse. Je me sens avec beaucoup trop de peau en trop et tout, mais ça, je le sais. Là, c'est physique, là. C'est comment physique? Non, là, j'ai ma cheville. J'ai fait une passe incroyable. Ah ouais? Mais voilà, je suis ciao, mec. Et là, on a 6 minutes d'accélération. Tu te sens comment? Voilà, au début, j'ai entendu du vent. J'ai dit putain, merde, je vais rentrer chez moi. Et viens, on reste derrière ensemble. Voilà, vas-y. Non, moi, je vais devant. Elle est belle. Et là, c'est chaud, là, on va courir. Mais voilà, gros. Younes, en plus, il fait quoi? Regardez, il commence doucement. Et d'un coup, il bombarde. Et moi, j'essayais de le suivre. J'ai pas réussi à la fin. Il est trop chaud en physique. Azad qui arrive. Azad, c'est comment? Salim, t'as vu? Je te considère comme un frère. Salim, il rend ouf, il part devant. Tête de ma mère. Il casse la tête, il met un rythme de fou malade, on doit le suivre. Genre, on est là maintenant, c'est ballon, ça fait plaisir. Continuez, continuez, les gars, continuez. C'est moi, laisse. Les gars, t'as un mec direct. Amine, 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 capitaine. Il a perdu. Ah ouais? J'étais pas avec vous, je peux pas savoir. Il s'est passé quoi? Il est énervé parce qu'il a perdu l'entraînement. Il a grave les... Il lui est arrivé quoi? Dans ce moment, il faut rester musulman, t'as vu? J'ai envie de mettre Il a voulu me défier mon équipe, on les a mélangés, il est énervé. C'est pas vrai. À la fin, j'étais gaise, mais je me suis bien remonté. Attends, il a dit à la fin, j'étais gaise, mais t'es gaise du début à la fin, frère. Non. Arrête de mentir. Dis-lui à la fin comment on a remonté. À la fin, il s'est amélioré. C'est un bon meneur de jeu. Je te check alors. Merci beaucoup. Explique. On perdait 4-1. J'ai les gars. Il ressemble pas, dites la vérité, il ressemble pas au défenseur turc dans FIFA qu'on pack tout le temps. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Schneider. Soyuncu. On dirait pas Soyuncu? Soyuncu. Sport. Sofiane, il s'attendait à mettre des frappes, faire des matchs. T'as vu le foot en club comment c'est nul? Ah, laisse tomber. En fait, il m'a dit c'est bon, t'inquiète, viens. La semaine dernière, on a fait une bonne séance. Normalement, donc, salam alaikum. Younes, dis-lui s'il te plaît. Dis-lui la semaine dernière, c'était comment? S'il te plaît. La semaine dernière, c'était que de la course pendant toute la séance. Mais t'as eu grave chaud. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, la famille, on se retrouve pour le match de dimanche. Ça va être sale. Moi, je pense, viens, on se met un défi cette saison. Celui qui met le plus de buts. Celui qui loupe le plus de matchs. Ah, bah là, je vais gagner. Là, c'est sûr, je vais gagner. Non, non, dans les matchs qu'on joue, dans les matchs qu'on joue, nous deux, celui qui met le plus de buts. C'est bon ou pas? Vas-y, vas-y. Ça va falloir crever devant les cages. Même si on joue 3 matchs. Si je mets plus de matchs, c'est bon? Vas-y. Moi je mets 50€ sur Yanis. Moi? J'avais bien inventé, mais on dirait Yacine, ils disent Yanis. C'est qui Yanis? Moi j'appelle Yacine les frères.
On va bientôt aller au match et moi, pour ma part, j'ai pris les mercuriales. Elles sont magnifiques, juste un problème, j'ai grave l'aigne. En plus, c'est Yacine qui me l'a dit, j'ai même pas remarqué. C'est qu'en gros, ici, il y a un trou. Regardez, comme dans les crampons de Yacine, à chaque fois qu'on achète des mercuriales, ici, ça se fissure. Et je les ai achetées 250 €, c'est une dinguerie, je les ai mis un mois. Ça, Nike, vous abusez, est-ce que dans l'autre, il y a... Dans, même dans l'autre, regardez, c'est grave voyant. Est-ce que vous voyez le gros trait là? Je veux pas le craquer parce que ça va le craquer encore plus. J'ai vraiment la haine. Les mercuriales, je vais arrêter d'acheter. Je vais passer chez Adidas, je pense, parce que la semelle, elle a un problème. Protège tibia, chaussettes coupées ici, je les coupe. C'est pas pour le style, je m'en fiche. C'est juste qu'en fait, moi, j'aime bien mettre des chaussettes comme ça. Genre, moi, les chaussettes comme ça, elles glissent pas quand tu mets tes pieds dans les crampons. Comme il fait chaud en ce moment, mets des petites chaussettes comme ça. Avec ça, toujours important. Et la petite serviette, les craies, je pense que là, on a tout. Et go pour le match. Hein. Avant le match, on est parti faire une séance de musculation à la salle. Donc là, aujourd'hui, c'est séance quoi? Séance tout le haut du corps. Tout le haut du corps, c'est vraiment très très important pour tous les footballeurs qui nous regardent. Ça, c'est pour avoir un bon dos. Quand quelqu'un vous met une charge dans le dos, vous résistez ou pour mettre des gros coups physiques. C'est bien, Yas. Magnifique. Surtout pour ceux qui sont attaquants, défenseurs. Vous êtes souvent, souvent en duel. Et ça peut vraiment vous servir. Commencez des petits. Hein. Dites pas ça. Ça fait que vous grandissez pas. C'est faux. Vous allez grandir. Vous allez devenir plus puissant, plus fort. C'est bien. Après, dès que tu as fini. Comme on est des footballeurs, on travaille aussi le cœur. Là, il va travailler plus, qui est pectoraux. Regardez-moi ça pour les bons amortis poitrine. Avoir un bon gab. Allez, on y va, c'est bien. Vous avez vu sa tête, c'est lourd, mais t'es toujours lourd. Super. Bien joué. Et ceux qui disent, ouais, mais je mets lourd, j'ai pas envie d'être balèze. Regardez comment je suis. Moi, je mets lourd, je suis pas balèze. Tu peux pas devenir balèze comme ça. Je suis tout sec alors que je suis lourd, alors je mets lourd. Donc, c'est très important la muscu. C'est parti pour le match, donc nous on est en rouge, on joue contre l'équipe des blancs à droite, Younes joue en attaque et moi je joue milieu gauche, donc sur le côté gauche. Je tiens à vous préciser qu'il fait extrêmement chaud durant ce match, plus de 30 degrés, donc c'est des conditions très compliquées. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour jouer, donc on va essayer de faire notre maximum. On commence directement avec la première action. Notre milieu de terrain qui va récupérer un très beau ballon, la roulette de Younes qui va justement me faire la passe. Moi je me retourne, je lui remets en profondeur, il se retrouve tout seul face au gardien. Duel face au gardien, le gardien qui nous sort un très bel arrêt. Donc toujours 0-0, mais on met la pression directement avec un corner. Corner directement tiré, repoussé par l'adversaire. Ça revient sur notre numéro 10 qui va décaler Salim sur le côté gauche. Salim qui prend son temps, qui va lui remettre. Et là, grosse erreur de jugement de sa part. Il se fait intercepter et directement la passe en profondeur pour leur attaquant, notre gardien qui va sortir. Et regardez ce qui se passe. Le gardien qui va essayer de dégager, mais ça revient sur l'attaquant qui se retrouve tout seul face au gardien. Il va tout simplement finir et 1-0 pour l'équipe adverse. Franchement, c'est un but qu'on aurait pu éviter. Mais bon, il y a du temps, on va pouvoir revenir et c'est pas dramatique. Du coup, on repart avec une prochaine action. Avec directement notre milieu de terrain qui va décaler le défenseur gauche. Le défenseur gauche qui va revenir en arrière. Et là, il m'envoie directement en profondeur. Donc, je prends mon couloir, je lève la tête et je vois que mon défenseur gauche est tout seul. Je lui fais la passe. Et là, regardez, il est trop gourmand. Il met une roulette incroyable pour éliminer deux joueurs. Mais elle est trop longue, la roulette, c'est dommage. Encore une fois, une action de gâchée. Mais bon, c'est pas grave, on repart directement avec un pressing de Younes gagnant. Directement là, on me fait une passe dans l'axe. Je décale notre milieu droit très intelligemment. Le milieu droit qui se retrouve tout seul, qui prend son temps, qui regarde, qui lève la tête et qui va mettre une frappe sur le côté gauche. Le gardien qui sort un très 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 bel arrêt encore une fois. Ça va faire deux fois que le gardien il sort deux beaux arrêts, il sauve son équipe un petit peu. On repart directement avec les rouges pour une prochaine action. Avec le milieu de terrain qui va tout simplement faire la passe à Younes. Younes qui décroche très très bas un peu à la Benzema. Là on change de côté, on était à droite, on passe à gauche. Et là regardez-moi ce petit décalage qui est fait. Donc là on me fait la passe, moi directement la feinte. Je refais la passe pour notre attaquant. Et là il me renvoie en profondeur, j'accélère. Et malheureusement alors gardien qui anticipe et qui sort. Franchement on avait fait une très belle action mais c'est intercepté. Là encore une fois le milieu de terrain qui va gratter un ballon. Et là regardez la faute de l'adversaire. Très très beau coup franc pour nous. Donc là il nous indique directement que premier poteau. Regardez le petit signe pour dire premier poteau. Là directement il centre, Younes qui se retrouve tout seul, il protège son ballon, la frappe et c'est touché par l'adversaire. Premier but pour Younes, donc égalisation 1-1 dans ce match. Le match qui est totalement relancé avec un petit peu de réussite pour Younes, mais bon ça rentre. On repart directement avec encore une interception de notre milieu de terrain. Il gratte beaucoup de ballons au milieu de terrain, incroyable. Younes qui décale justement notre milieu. Là la faute, coup franc. Donc là vous allez me dire pourquoi Younes il a pas tiré, parce qu'en fait c'est un coup franc pour les gauchers. Du coup on a laissé le numéro 10. La frappe enroulée, lucarne droite, incroyable. Incroyable les gars, donc 3-2. Et vous allez me dire pourquoi il n'y a pas tous les buts qui ont été finis, parce qu'en fait avec la chaleur le téléphone il s'éteignait, il surchauffait, il s'éteignait. Du coup on n'a pas les séquences de tout le match. Ça je suis vraiment dégoûté par rapport à ça. Mais bon on a essayé de filmer comme on pouvait. Là regardez, très belle action directement, 1-2 avec le défenseur droit. Le défenseur droit qui va centrer en une touche de balle. Younes est un peu trop court, moi je contrôle. Le petit crochet, la frappe, la grosse frappe en lucarne droite pour le 3-3. Encore une fois l'égalisation de notre part.
Donc là, Younes a mis un but, moi j'ai mis un but. C'est vraiment plutôt pas mal pour un début de match. On repart directement avec une remontée de balle de notre défenseur droit qui va chercher dans l'axe pour Younes qui décale directement Salim qui refait la passe au défenseur droit, Salim encore. Et là, la faute de Salim directement pour le même coup franc là, le centre. Younes tout seul qui me fait la passe, moi je tire. Et là, il y a hors-jeu. L'arbitre qui a levé son drapeau, malheureusement, hors-jeu. On les joue plutôt pas mal, les coups de pied arrêtés, donc ça fait plaisir. On repart directement avec une action avec directement le milieu qui décale le défenseur droit. Donc le défenseur droit qui remet au milieu. Et là, l'accélération, le centre pour l'attaquant qui finit au fond des filets. Donc 4-3 pour notre équipe. On prend l'avantage dans ce match. Là, directement, le transversal pour... les adversaires, donc l'adversaire qui récupère la balle, Younes qui arrive encore à gratter un ballon. Là, Younes qui va accélérer, qui va porter le jeu, qui va fixer, qui fait la passe dans l'axe pour l'attaquant. L'attaquant qui décale directement en profondeur. Là, regardez, il peut mettre une frappe du gauche, le crochet. Et très belle défense du défenseur. Il aurait pu mettre une frappe du gauche, hein, mais il a voulu se remettre sur son pied droit. Et malheureusement, interception du défenseur. Donc là, c'est la deuxième mi-temps. On change de côté directement, le gardien qui dégage. Et là, ça va partir sur une action pour les adversaires. Là, le petit décalage très intelligemment de la part du défenseur. L'attaquant qui se retrouve face au gardien. Le centre. Et là, regardez, très belle sortie de notre gardien qui va gêner l'attaquant. Et du coup, il n'y a pas but. On repart avec moi cette fois-ci. Je suis un cran plus bas. Je calme le jeu tranquillement. Là, regardez. Cheat, 1, 2, 3, tac. Je fais partir le joueur à gauche. Moi, j'aime bien avoir un style de jeu posé, calme au milieu de terrain. Jouer pas forcément vite de l'avant, mais prendre mon temps. Là, encore une fois, il va me redécaler à gauche. Regardez, je prends mon temps. Ah, malheureusement, il y a une mésentente. Je la voulais dans les pieds, elle m'a mis sur le côté gauche. Là, regardez, je suis le petit relais à gauche. Je prends l'info, je vois qu'il est tout seul. Tac, je le décale directement transversal. Il se retrouve en position de 1v1. Il va essayer de provoquer, il rentre dans l'axe. Moi, je fais l'appel, je dis tranquille, prends ton temps. Je suis là tout seul, regardez, je prends mon temps, l'attaque. Je vais revenir en arrière encore une fois pour préparer l'action. Et là, j'ai voulu faire un appel pour qu'il me la remette, mais il se fait intercepter, il a été un petit peu trop lent. Et malheureusement, le match se finit sur ça. Donc score final, je crois qu'il y a eu 4-4 ou 5-4 pour les adversaires. Pas tout a été filmé. Fin du match, la famille, on a joué sous 35 degrés, c'est une dinguerie. Hey, je tiens à m'excuser déjà dès le début parce que le caméraman, il a pas pu filmer tout le match. Parce qu'en fait, avec le soleil, les appareils, ils ont surchauffé. Du coup, on n'a pas la fin du match. Et en plus, à la fin du match, je l'ai mis des dribbles de fou malade. Bon, en tout cas, au niveau du match, ça va, ça s'est bien passé. On a pris des buts bêtes, c'est vrai. Mais en attaque, on a réussi à bien se trouver parce que c'est que le premier match, il nous faut encore de l'entraînement. Et hey, on avait dit celui qui met le plus de buts. Pour l'instant, il a mis un but, j'ai mis un but. C'est-à-dire, ouais, on a égalité. On a 1-1. Ouais. J'espère qu'on va faire d'autres matchs. Mais en tout cas, les gars, là, j'ai la dalle. Je pense que je vais aller manger. Désolé. Hein. Et mettez un like, la famille, hein, si vous voulez plus d'épisodes. Ouais, il y a déjà but dans l'autre match. Incroyable. Vas-y, la famille, on se retrouve à la maison. Après une bonne défaite, les mecs, il faut bien manger pour récupérer de l'entraînement, les gars. Donc, je me suis pris une salade, une pomme, des céréales et. Je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. Attends, vite fait, montre ce que t'as en dessous de la table là. Non, stop, le film, pas ça. Vas-y, montre, vite fait, montre à tout le monde. Arrête de mentir, frère, montre. C'est quoi ça? Bah, c'est des légumes. Attends, regardez bien. C'est des légumes. Une méga pizza, frère. C'est des légumes. Elle est trop chargée. Non, mais en vrai, j'en ai besoin pour récupérer. Là, je suis fatigué, j'ai perdu. Il me faut un petit réconfort. Donc là, on va manger, on va se reposer tranquillement. Oh, t'arrêtes pas à dire, je voulais juste dire une salade comme Cristiano Ronaldo. T'es relou.